Plop les gens, de retour sur Factorio pour une quatrième heure d'affilée pour moi, à peu près hein, des pauses bio seulement, et grignotage. Donc c'est reparti. Ce que je disais au stream juste avant de reprendre, c'est que du coup on a fait le pétrole, on vient de faire le début, les circuits rouges, mais on n'a pas beaucoup avancé niveau science. Et là, il va nous falloir de la science. Non, on va pas faire ça. Il va falloir qu'on rattrape un petit peu les sciences. Alors, voilà. On va ramener les moteurs. Est-ce que là ça passe? Là ça passe, donc on continue tout droit. On a dit que pour les 1, on a besoin du soufre, des circuits avancés et des moteurs. Donc en fait ici, ici on va pouvoir faire ça par exemple pour avoir les circuits avancés et les moteurs. On va descendre un peu bas, voilà. On va peut-être voir comme on a parlé le signe noir, les machines avancées. On va faire du on va récupérer un peu d'acier pour ça. Module de vitesse, c'est pratique aussi, peut être pratique. Je sais pas si au final je vais l'utiliser, c'est pas comme ça que je devrais faire, mais c'est pas grave. Okay. On va commencer à utiliser les machines d'assemblage rapide parce que les potions bleues elles mettent très longtemps à se produire. On m'a dit que ça c'était trop pour les potions de départ, mais je crois que c'est ce qu'il faut pour les potions bleues. Du coup, on va dire parfait. Potions bleues, elles sont où? Elles sont là. Vitesse de tir des armes. J'oublie à chaque fois de faire directement le centre. Pas bien. Ah, j'ai pas de grand bras. Alors. Tac.
J'ai plus de tapis pour changer. J'ai pas mal de... d'engrenages. Oui. Donc des tapis, on va peut-être prendre des bras aussi. Va falloir qu'on retourne voir notre ami la centrale électrique. Voilà, et non pas l'usine. Oui. L'électricité. Ah, j'ai plus de poteaux. Je vais dire l'électricité et après on peut faire le soufre, mais du coup on va faire dans l'autre sens. Soufre, il arrive de où? Il arrive de là-haut. Voilà. Donc on a le soufre. Il nous faut l'électricité, on a dit. On va bientôt avoir les potions bleues. Explosif avancé, vas-y, c'est pas gênant, on va dire. De revenir directement ici. Me casser l'air convaincu de ce que j'ai fait. Il faut d'abord que j'aille mettre des bras rouges pour que les labos puissent les récupérer, ces potions. Et j'ai encore pas beaucoup de bras rouges. Ouais, bon. On va revoir ça.
Ok. Alors, on va commencer les trucs bleus. Genre l'électronique avancée qui est aussi très relou une fois qu'on... Très relou, tout simplement. Est-ce que là on aura le jaune? Pas tout de suite, hein. Il faut tout faire. On aura la violette aussi. La violette, on peut la faire. On va te faire ça d'abord. Il va falloir produire tout ça. Et on a dit qu'on avait quand même des manques de fer. Donc avant de se faire attaquer, ça commence à faire un bout de temps. On avait envie de récupérer beaucoup plus de fer dans les mines. Ici, c'est bon. On a dit qu'ici, il y avait une sorte de ce tranché plus accessible. J'étais trop zoomé, sinon j'aurais peut-être suivi. Oula. Le PC qui ne tient plus, on sait pas pourquoi. J'ai quelques poteaux, mais peut-être pas suffisamment là. Oh non, sérieusement. Qui attaque où? C'est eux qui attaquent en fait. De l'électricité bientôt normalement. Voilà, du coup maintenant on peut aller défendre notre base. Ouais, 30, ça devrait aller. Mettre une tourelle aussi à côté des...
de la mine. Réparer l'autre aussi. On est là, on vérifie les deux coffres, ils sont bien tous les deux vides. Ceux de la pierre, j'y crois pas du tout. Beaucoup plus vite que ce que je pensais, mais pas du tout. Ça saccade un peu. Oui. Potion violette. Ah oui, parce que là, il n'y a plus forcément besoin de tout ça. Ok, alors on va faire ça. Sérieusement? Le plein, sinon il va m'en manquer genre un ou deux. Tac. Et voilà. Donc cette deuxième fonderie est prête. On va faire comme ça pour le moment. Potion violette, du coup on a dit j'ai besoin de rails, pour ça j'ai besoin de fer, d'acier et de pierre de mémoire. J'ai besoin de four, j'ai besoin de, du coup de briques et d'acier. Si je dis pas de bêtises. Acier, briques et circuit électronique, faut pas les oublier. Les rails j'ai dit acier, pierre et barre de fer, donc fer. Ouais. Et les modules de productivité, les crevards. Ah, excusez-moi. Les trucs super longs à faire. Et là, j'ai encore besoin de circuits rouges et de circuits verts. Ok. Déjà, on va doubler plus ou moins la vitesse comme ça. On va copier ça là.
Voilà. Alors. Et ils sont là. Voilà. J'ai oublié les bras. Malencontreusement, tirons-nous. Voilà. J'ai plus que doublé la productivité de circuit rouge par rapport à avant de les mettre en bleu. Ok, parlons de mettre des machines en bleu. Ceci me semble nécessaire. Si ce n'est indispensable, ceci un peu moins. Mais on crache pas dessus. J'ai des tuyaux. Je vais en prendre la moitié encore là. Les tapis, j'en ai jamais assez. Les engrenages, c'est bon. Qu'est-ce qui te fait rire, Makou? J'ai fait une bêtise ou... Tac, tac, tac. Sûr, comparé à ce que tu fais, je dois faire... Enfin, je fais un peu à l'aveuglette, au doigt mouillé. Voilà. Les modules, c'est crevard, je cite. Oui. Oui. Je maintiens. Ils sont relous à fabriquer. Longs. Allez. Au pire, tant pis. Hop. Je sais plus ce que je veux faire avec celui-ci. Si, je veux avoir des circuits verts disponibles pour faire ces modules justement dont on vient de parler. Alors les modules on peut les faire là, mais les potions violettes seront un peu plus compliquées à sortir. Ou alors non, ça peut le faire, je peux les faire là les modules, les potions ici. Ah mais j'ai commencé à faire le fer ici et j'ai pas fini. Ça c'est nouveau ça. Je crois qu'il n'y avait pas avant. Bon, bonne nouvelle. Alors. Mais même là, j'ai pas assez de production de circuits visuels rouges. Alors que j'en utilise encore que pour le. Les potions bleues. Je vais peut-être agrandir sur la gauche, hein, on verra. On verra ce dont j'ai besoin. Nous disions les modules. Sérieux? Sérieux? Poil encore.
Hop, on... Non, on va faire ça comme ça. Alors ici, on peut faire des modules. Faire quoi d'autre? On va devoir faire des circuits bleus aussi. On va dire que c'est bon. On essaiera de mettre les violets ici. Alors, les modules. On leur met de l'électricité et ils devraient être relativement contents. Alors on a avancé là-dessus, ça on n'en aura pas besoin. On a besoin de quoi? On a besoin de quoi? On avait besoin de du raffinage avancé, on avait dit. Parfait. Ok, les modules, c'est fait. Maintenant, si je pouvais emmener pour faire le les... Comment ça s'appelle? Si je pouvais faire le... On va avancer là-dessus. Hop là, non. Le reste pour les potions violettes, là, les fours. Je veux dire moteur, je ne sais pas pourquoi. Si je peux faire les fours ici. Et les rails, ça serait cool. J'ai besoin que de deux. Pire, tant pis. Alors, on va mettre... C'est vrai que les fours ont besoin de... Il va falloir ramener l'acier, ok. Là, on va pouvoir faire ceci. Parfait. Alors ici, on va avoir une ligne pour évacuer. Et une ligne pour faire venir la pierre. Et ce qui serait cool, ce serait d'avoir ici les rails. Non. Voilà. Donc le raffinage avancé du pétrole est prêt. On va avoir besoin du lubrifiant à un moment, je crois. Est-ce qu'on va... Oui. Donc autant le préparer tout de suite.
dans l'autre sens. Quoi? Ouais, je préfère. Là, on va avoir besoin d'une production de... Peut-être plus d'une. On va commencer par une et on verra s'il en faut plus. Deux barres de fer. Une barre de fer déposée ici. Récupérer là. C'est censé être en fonctionnement, sauf que... Sauf qu'ici, déjà, il va manquer l'acier. Voilà. Ici... Ici aussi, il faut de l'acier. Pour ça que j'avais... Ok. Du coup, s'il faut de l'acier ici aussi, il faut qu'il arrive là. Ça. On peut directement imaginer quelque chose comme ça. Voilà. Moteur électrique. Voilà. Ça m'a l'air bon. Ici. Alors ici j'avais pas fait gaffe que l'acier venait juste là. Voilà. Et le fer, je l'avais oublié encore une fois. Tac. Il peut venir d'ici. Voilà. Ça me paraît bien. Robotique. Donc maintenant, ça c'était à l'envers. Voilà, maintenant je suis censé avoir tout, presque ce qu'il me faut pour faire des potions violettes.
On va copier ça, peut-être. Je sais pas s'il y a besoin d'autant de potions violettes que de potions bleues. Enlever ça parce qu'on va mettre plus que des machines d'assemblage un peu plus rapides. On a dit que c'était des violettes et plus des bleus. Ok. Donc là, je fais nimp, mais on est en train d'avoir notre production qui se. On commence à voir. Non, je vais faire ça. Là, je vais. C'est marrant, je y vis tout le temps. Ça va arriver, ça va faire ça. Ça va repartir là, oui. Donc ça va, il va me manquer des bras. Et normalement, production de violette est bonne. Plaisir, j'avais l'impression de plus avancer et maintenant j'ai l'impression de plutôt bien avancer. Il n'y a plus besoin du buffer. Je pense. Va falloir faire les premiers robots hein, dès que possible, mais dès que possible, c'est pas tout de suite. Malheureusement. Voilà. Nos premières potions violettes arrivent avec comme avantage de largement pas avoir assez de circuits rouges pour être produites, limiter la production de circuits de potions bleues en même temps. Ça m'a l'air. Les deux premières qui fonctionnent. C'est jamais, mais ok, ça ira un poil mieux. Puis tant pis si le dernier ne. Le ou les deux derniers ne produisent jamais. Ça permet de faire un buffer plus ou moins. On s'en fout. Bon, il manque énormément de circuits rouges. Vraiment.
J'aurais dû mettre les poteaux en bas. Avant de mettre n'importe quel bras. Donc la robotique, c'est bon. Les structures à faible densité. C'est que c'est pas vraiment les matières premières en entrée des rouges qui bloquent, c'est vraiment la production de rouge. Donc il y a quelques violettes qui sont passées. Parfait. Ah mince, avec ce système, je sais pas où, comment je vais faire rentrer les jaunes. Il reste quoi? Il reste jaune, noir on s'en fout, et blanc on s'en fout. Ah. Je sais pas. De toute façon, faut d'abord les faire avant d'y réfléchir. Et je les ai même pas débloqués. Il manque quoi pour les potions jaunes? Il manque bah, les structures à faible densité. Ok. Il va... Potions jaunes, il faut. Processeur, châssis de robot volant, structure de faible densité. Processeur. Il faut des circuits rouges. Voilà. Est-ce que... Satisfaction n'est pas au max. On va l'augmenter, on va l'améliorer. Qu'on va faire ça, on va ramener plus de fer aussi. Enfin, de minerai de fer, je sais pas. Oh, il manque du charbon. Il n'y a plus de charbon, il n'y a plus du tout de charbon. Bon, bah, avant de ramener du n'importe quoi. On peut poser ça parce que comme ça c'est fait. Donc le fer est plutôt bien utilisé, on dirait.
le filtre, c'est... Ah mais non, mais j'ai collé. Replace tout parce que du coup ça me permettra de pas gaspiller d'espace, enfin de minerai quoi. J'ai plus de... Voilà. Parce que là, ça bloque tout. Ouais, ça ira un poil mieux normalement. Oui, ça va mieux. Enfin, il y a ceux-là qui ont bossé aussi. Bref. Ça avance, ok. Donc là, ça fait un tapis plein. Donc là, le tapis, il est plus plein, peut-être. Tant que ça revienne. Ok. Je pense qu'on est bon, je vais aller directement mettre le charbon dans les chaudières. Comme ça on a le boost d'électricité immédiatement. Voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup de fer et de cuivre. Rien que le fait de récupérer des... circuit électronique et des engrenages, ça fait qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas à construire moi-même. Non, la violette c'est fait, la jaune elle est en cours. On a dit que j'ai toujours pas fait mon fer d'ailleurs. Que j'ai pas beaucoup de munitions. C'est bon, je peux en fabriquer autant que je veux. Le pétrole a été amélioré normalement, enfin je peux l'améliorer plutôt. Je vais être exact. Et améliorer le pétrole, ça veut dire que ce serait cool de... C'est-à-dire qu'il va falloir
Si je mets du raffinage avancé, il va falloir que j'utilise les autres produits que le... Voilà. Que le gaz léger. Donc on va s'y atteler. Fait les usines, les usines de produits chimiques, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Allez. Tellement laissé tout en plan. En même temps, c'est normal, on m'a attaqué. Sérieusement, j'ai plus de tapis. Ils sont en train de se rassembler, donc ils vont attaquer. Donc il faut que je règle le problème, si possible, avant qu'il se crée manifeste. Cool pour une fois de s'apercevoir d'un problème avant qu'il se manifeste. Voilà, c'est fait. C'est quoi? Oui, là aussi c'était que des... Oula. Celui-là il faut que je m'en occupe. Là, il y a peut-être quelque chose, faut que j'aille voir. Ceux-là, il faut que je m'en occupe. Ils sont très loin, ceux-là, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Mais je les ai 100% oubliés jusqu'à maintenant. Oh, ça saccade. Je sais pas pourquoi mon PC, il suit relativement bien les UPS, mais pas les FPS. Mince, elle est morte avec la moitié de mes munitions, c'était pas l'idée du siècle, vu que j'en avais qu'une. Ça, ça sert à rien pour le moment. Il manque quoi ici qu'on peut faire? On a des potions violettes, on peut faire ça. On peut pas. Et je me fais attaquer.
Je disais, on a des potions violettes, il faut pouvoir faire ça, donc on a besoin de ça. On reprend. J'ai grid. En plus, j'ai hésité à le bouffer, mon poisson. J'ai full grid. Non, quoi qu'il arrive, tant qu'on est en bas, on peut prendre des tapis. Parce qu'on sait qu'il nous en faut là-haut. Ça permettra au moins de dire qu'on a fait juste du fast travel, c'était tout prévu. Tout à fait. Ça peut toujours être intéressant. Les tuyaux, non. Je crois que j'ai beaucoup de. Des engrenages vite fait. Parce que je me dis que ça a aussi besoin d'avoir des machines rapides. Alors tant que j'y suis, autant que j'en profite. Tant que j'y suis, que j'y vois, tant que j'en profite. Passer par la gauche plutôt. Je serais presque tenté déjà de supprimer le pétrole léger. Mais de l'autre côté, on produit pas assez de pétrole brut. Pour pouvoir se permettre d'en gâcher. Bah, au pire, c'est pas grave si les raffineries sont bloquées, il y a au moins deux réservoirs qui vont pouvoir accumuler les ressources nécessaires. Alors où est mon corps? Oh putain, je suis con. J'ai posé mon arme. Mon arme, j'ai pas de poisson, j'ai pas vérifié que. Je crois que je vivais dans le monde des bisounours, que je pourrais récupérer mes armes tranquilles. Eh bien non. Bon gros laguiche là, 44 FPS et 50 UPS, donc le jeu est ralenti. Et ça se sent. On peut jouer au con et récupérer encore des tapis parce que je sais que je vais de toute façon devoir en ramener beaucoup. Pour faire toute la descente. Oh là là. On avance vraiment lentement. Je sais pas pourquoi mon PC fait ça. Mais
je vais trouver ça comme excuse pour le changer. J'aurais peut-être dû prendre du fer là parce que... Alors moi le deuxième corps, celui qui est le plus loin. Oh oh, il est où? Je vais en avoir besoin juste pour récupérer des munitions. Il est où? Ah non, je l'ai emmené dans la forêt, punaise. Oh la mauvaise idée, la mauvaise idée. Venu où? Non, j'en ai tué là. Par là. Oh punaise, la mauvaise idée. Se rapprocher de la forêt. J'avoue, je comprends de mieux en mieux le mode que je vois un peu partout dans les serveurs qui indiquent au moins sur la carte les cadavres. Est-ce que je m'étais rapproché de là? Ça, c'est mon premier corps, j'y étais pas encore. Autrement, je rush jusque là. Là, je détruis la forêt juste pour essayer de revoir mon corps, quoi. Voilà. Ah non. Tant pis. Non! J'ai eu le temps de prendre le poisson, mais pas de le manger. Ah. Non, mais du coup... C'est la même, hein. On reprend, c'est la même chose, encore et encore, tout ça, tout ça. Chier. Ah, c'est gentil, Saritaine. Hein. Ah bah, je te dis pas bienvenue alors. Hein. C'est comme ça que tu arrives. Oh punaise. Et là, les UPS sont repartis à 60 et les FPS restent vers 40 et quelques. C'est pas ce que mon PC a. Au pire, le corps où il y a 10 balles, 10 chargeurs à peu près, pas si grave. Oh non, il va refaire nuit. Il va refaire nuit. Où est mon corps? Il va. Ok. Je voulais aussi faire ça pour transformer le pétrole. Je veux encore plus de munitions. Ah, j'avais plus d'engrenage. Ok, très bien. Je crois. Mon autre corps, tant pis. Hein. Peut-être que ton PC stream à côté, du coup, ça pompe plus que quand tu hors stream. Oui, mais même hors stream, j'ai ce genre de choses, en fait.
Et c'est plutôt aléatoire parce que des fois je peux avoir les 60 FPS, tout ça, et UPS, et puis sur la même base le lendemain, le PC a plus envie. En fait, tu y vas avec ta... Ouais, ton couteau. Oui. J'ai une 1070 Ti ou pas Ti, je sais plus. J'ai un i5 qui date de 2014. J'ai pas tout en tête. Et j'ai pas entendu l'annonce, mais apparemment, TutuTV a lancé un raid. Donc, bah désolé de le voir en retard et bienvenue à vous tous. Ouais, le i5, tu te dis ça aussi. Donc je pensais ouais passer sur nouvelle carte mère, nouveau processeur et peut-être nouvelle installation parce que installation de Windows 7 depuis 2014 aussi ça date. Bref, sur ce, on a dit qu'on essayait de faire des épisodes d'une heure. Nouveau PC, quoi. Nouvelle apparemment. Nouveau quartier. Ouais, bon. De faire des épisodes d'une heure de jeu. Donc. Et ben on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. À me voir crever en boucle. Mais dans celui-ci. C'est dans celui-ci qu'on a fait les potions violettes. En tout cas, on a préparé pour les potions jaunes. Donc voilà, objectif du prochain épisode potion jaune, il nous reste la moitié du temps pour lancer la fusée. Donc cette fois, ça devrait aller, j'espère, enfin ça devrait être faisable, plus que plus que quand j'avais fait la série 15 heures. Bref, à très vite. Pour la suite.